C'est étonnant que vous n'ayez pas applaudi. Avant de commencer, je crois qu'il y a une tombola présentée ou préparée par l'APE. Alors, on va faire d'abord la tombola et après le concert. La lumière noire. Voilà, et l'éclairage. Voilà, le premier morceau s'appelle Showtime. C'est un morceau de Steve Van Cluster. C'est Showtime numéro 4. Alors, on a parlé du CD de l'école de musique, de l'orchestre de variation. La plupart des morceaux que vous allez entendre ne figurent pas sur ce CD parce qu'on l'a enregistré en février 2010. Il est en vente au fond de la salle. Et depuis février 2010, on a voulu essayer de vous présenter ce soir, pratiquement à 80%, un nouveau programme. Alors ça, c'est un showtime, c'est un morceau d'ouverture avec un solo de saxo, mais je vous présenterai l'élève après. Voici donc Showtime numéro 4. Des années 1950 dans un lycée américain. John Travolta avait déjà acquis une certaine notoriété pour son rôle dans La Fièvre du samedi soir, mais ce fut Grease qui le rendit vraiment célèbre.
La bande originale du film, qui mélange rock'n'roll, boogie-woogie et pop, fut numéro 1 des ventes dans de nombreux pays, dont la France avec plus de 1 800 000 exemplaires vendus pour le single « You are the one that I want ». Oui, je l'ai bien dit. L'une des meilleures ventes de singles en France et au Royaume-Uni. Bariton solo, Jean-Luc Humbert. Thank you.
applaudisse Jean-Luc Imbert encore une fois. Qui est avec nous, mais qui est également professeur de batterie à l'école de musique. Et puisqu'on parle de batterie, je vais demander aux percussionnistes, du titre de percussion, de se lever. Voilà. Et je vous présenterai tout au long de la soirée un petit peu les différents pupitres qui constituent l'orchestre Variation. On va continuer, on va essayer de changer de style. Après John Travolta, un morceau plus classique avec la danse hongroise numéro 5 de Brahms. Un medley, un best-of de ce groupe mythique
de Londres, les Beatles. C'était un groupe musical originaire de Liverpool, composé des quatre musiciens que je viens de citer. Il demeure, en dépit de sa séparation en 1970, l'un des groupes de musique les plus populaires au monde. En 10 ans d'existence, et seulement 8 ans de carrière discographique, de 1962 à 1970, les chansons des Beatles ont marqué leur décennie ainsi que les générations suivantes. Et leurs mélodies ont été adaptées à de nombreux genres musicaux, notamment le jazz, la salsa, le reggae ou la musique classique et baroque. Au XXIe siècle, le groupe jouit toujours d'une grande popularité. Ses chansons sont jouées et reprises dans le monde entier, et en particulier ce soir à Brannus. Voici donc The Best of the Beatles.
C'est-à-dire 80 musiciens sur scène. Nous sommes en train de préparer un programme. Il y a pratiquement 80 musiciens, c'est ça? Voilà. Et le 16 avril, au Salle du Garlot. Voilà. Un coup chez eux, un coup chez eux. Le 9 et 16 avril. Alors après les Beatles, eh bien, on passe avec Albinoni. L'adagio d'Albinoni. C'est un arrangement de Jacob Dehaene. C'est en travaillant sur la biographie de Tommaso Albinoni que le musicologue italien Remo Diazzotto découvre en 1945 un manuscrit inédit avec une mélodie et quelques fragments d'une ligne de basse. À partir de ces éléments, il décide de réaliser une orchestration. Si brillante que cette pièce deviendra l'une des plus célèbres œuvres du répertoire classique. Interprétée de nos jours encore sur des scènes prestigieuses, comme ce soir en France, aux quatre coins du monde, l'adagio est désormais à votre portée de main dans un superbe arrangement, donc, je l'ai dit, de Jacob Dehaene. Voici donc l'adagio d'Albinoni. Thank you.
Je continue ma présentation. Elle est tout au sol au fond, elle joue du piano, elle s'appelle Amélie. Et à côté, Manon à la basse. Amélie au piano et Manon à la basse. Ensuite, devant et derrière, le pupitre de clarinette avec, épaulé par le bugle. Voilà, clarinette. Voilà. Eh bien, après Albinoni, on va un petit peu du côté des îles. On va vous interpréter un caribéen. Cette composition de thèmes ensoleillés, Adieu à la Jamaïque, et Cielito Lindo, c'est les deux morceaux que vous entendrez. Cielito Lindo est une chanson populaire du Mexique, écrite en 1882 par Quirino Mendoza y Cortés. Ça s'arrête là, hein. 1859-1957. Généralement jouée par des orchestres de mariachis, elle a été enregistrée par plusieurs artistes, de Pedro Infante à Pavarotti. Pavarotti, c'est l'un des airs mexicains les plus populaires, souvent employé au lieu de l'hymne national lors d'événements internationaux. Voici un morceau qui va mettre un petit peu à l'honneur les percussions, voici donc Caribbean Mood. Thank you.
les applaudir tous. Hein. Je ne les ai pas oubliés, mais j'attendais un petit peu le pupitre des flûtistes. Voilà, pupitre des flûtistes, ce maître de l'église. J'ai pourtant demandé qu'à l'église. Julie ne peut pas se lever, elle est blessée à la jambe, et on va applaudir particulièrement Julie parce que c'est son premier concert ce soir. Ça va? On continue? Bon, il y en a toujours deux qui disent oui. Alors on va continuer. Tiens, ce morceau figure sur le CD, qui entre parenthèses est en vente au fond de la salle. C'est un medley de musique de film. Le titre veut dire « Qui est cet homme masqué ?» Vous allez entendre plusieurs œuvres dont les héros de films sont des personnages masqués. Par exemple, l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, l'homme araignée, le fantôme de l'opéra et la légende de Zorro. C'est un arrangement de Jerry Bocook. Voici donc qui est cet homme masqué. C'est pas moi.
on n'y voit rien, on ne peut pas jouer. Hein. J'en profite, parce que je l'oublie souvent, pour remercier, même si elle n'a pas de voix ce soir, c'est la présidente de l'APE, Dominique Fouque, et toute son équipe, parce que chaque fois qu'on fait une manifestation à l'école de musique, ils sont avec nous, derrière nous, ils nous supportent, et ils font que tout se passe bien. On applaudit l'équipe. Bien, écoutez, on va terminer avec un morceau de Michael Jackson. Enfin, c'est pas un morceau, c'est un medley de Michael Jackson. La musique comme une évidence, née le 29 août 1958 et malheureusement décédée le 25 juin 2009 à Gary, aux États-Unis. Il était chanteur, auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe. En scène, sur scène depuis l'âge de 5 ans, Michael Jackson a effectué ses débuts avec ses frères au sein des Jackson 5. Benjamin est leader de la formation américaine. L'artiste a enchaîné avec une carrière solo triomphale. Vous allez entendre Thriller, Billie Jean, Bad, The World. Et puis, autant de tubes qui ont renforcé la notoriété de Michael Jackson au cours de sa carrière. Une carrière mise à mal par des démêlés judiciaires et interrompue prématurément par le décès de Michael Jackson le 25 juin 2009, soit un peu moins d'un mois avant son retour programmé sur scène. Voici donc un medley de Michael Jackson. We'll be right back.
faire une autre. Le hasard a fait qu'elle était là. Eh bien, après Michael Jackson, on va partir du côté de Carlos Santana. Non, c'est pas le bibisou. C'est un groupe américain des années 60, formé autour du célèbre guitariste Carlos Santana, groupe qui a su fusionner jazz, musique latino et rock. Découvert au festival de Woodstock avec son célèbre Soul Sacrifice, il enchaînera sa carrière avec Santana 69 et Abraxas 70. Le groupe se sépare en 1980 et Carlos Santana démarre sa carrière solo. Voici donc un medley de Monsieur Carlos Santana avec un petit solo de sax.
Alors, pour terminer la soirée, on va faire un petit morceau, on aura besoin de votre participation, mais vous nous regardez, vous nous regardez. Vous tapez dans vous-même et pas n'importe quand.